Salut, salut, amis, c'est Passe Mojo. Donc, on trouve la dernière fois après un épisode merdique, étant donné que j'ai rien fait de bien passionnant parce qu'en fait j'étais en PLS de batterie. Et comme je ne joue jamais en rechargeant ma batterie, donc je m'en excuse. Et aussi, vu que c'est l'été, donc à cause de la chaleur, je suis atteint d'une grave maladie qui est la flegmagite aiguë, ce qui me rend très flemmatique. Et donc, pour tourner une vidéo en étant en mode flemmard, c'est pas l'idéal. Donc, je vous préviens pas qu'il y aura des vidéos comme je faisais avant, 5 vidéos par semaine, c'est-à-dire 3 de FFT et 2 de Zelda. Ça sera selon mon envie. Mais il y en aura au moins minimum une. C'est déjà ça. Non, franchement, je déteste l'été. La chaleur, ça me tue. Recrute sérieux d'urgence. On recrute des artistes. Artiste, ça sera sûrement un battleur. Recrute cerveau d'urgence, ça sera sûrement une Vira, mais il faut une classe particulière. Faut une fille. Après, on recrute serveuse d'urgence pour une période de 14 jours. Serveuse, ouais. Quel job pourrait bien faire serveuse? Peut-être juste une fille. Tomate et cocatrice. T'es où? Qu'à moi, ok. Est-ce que mon mug peut se mettre en battleur? Membre. Yes, il peut. On va quand même l'équiper. Je sais pas si ça fera, ça augmente les chances de réussir la quête, mais... Vous êtes venu pour l'annonce? Oui, je vais vous présenter quelqu'un. Bien, nous aurons besoin de cette personne pendant 14 jours jusqu'à la fin du festival de Gaillet. 14 jours. Je m'attendais pas à ça, vous aurez beaucoup de boulot, tâchez de garder le sourire. Ne vous inquiétez pas, vos clients seront comblés. J'espère, pendant 14 jours, ça me fait chier de la perdre. Je vous le dis, 14 jours, ça me fait bien chier. Oups. Camoa, ok. En ce moment, on va faire ça, on fera les autres quêtes après. Bon, elles vont perdre des points d'apprentissage. Du moins, elle va perdre. Laquelle recrute des artistes. Donc, l'artiste ici. Vous êtes venu pour l'annonce, c'est toujours du plaisir d'accueillir des nouveaux. Le visage de Gaïa est une tradition vieille de plus d'un siècle. Nous avons coutume d'être très ouverts en recrutant des artistes des quatre coins d'Ivalis. C'est une bonne coutume, ça. Et c'est pas moi qui vais vous aider, je voudrais vous présenter un membre de notre clan. Pas de problème, du moment qu'il est aussi enjoué que vous, j'espère que c'est quelqu'un qui peut participer activement au festival par quelques performances publiques. Nous le garderons pendant 10 jours, durant lesquels nous offrons bien sûr le gîte et le couvert. Je vois Klee qui peut servir d'artiste. Si ça fonctionne pas, je vois pas trop c'est quelle classe qu'il faudrait mettre. Je vous préviens, vous aurez de quoi faire entre l'étalage des rues, la décoration et les répétitions. Mais nous profitons également de l'occasion pour faire visiter les meilleurs endroits de Kamoa. J'adore les fêtes, Kupo, je ne pouvais pas rêver mieux. Voilà.
Bon, pendant que je fais les deux quêtes là, on va faire vite fait celle-là. Toinir, c'est pas une quête qui rapporte 9 XP, rang 7, hein. Allez, on va tuer du poulet. Tenez, terrasser l'ennemi en protégeant les tomates. Oui, ok, si vous voulez. Toi, j'ai le droit qu'à 4 unités. Ah, ils sont tous niveau 20. Ah. Ah, c'est qu'il en a un tireur, lui. Et je lui fais faire une classe de tireur, je parie. Ouais, parce que, ouais, d'accord. T'étais en quel job, gamin? T'étais en quel job, la dernière fois? Je crois que t'étais en dragonnier. Ouais, ouais, je crois, ouais. Ah, ça sera beaucoup mieux. Je vais prendre qui d'autre? Toi, t'es dragonnier, t'es berserk, t'es sage. Allez, on va prendre lui, allez, hop. Hausse de rapidité, parce que la quête là, voilà. Ce sont les tomates que nous sommes censés défendre. J'ai bien peur que ces tomates soient au menu des cocatrices. Je me demande quel goût ont ces légumes sur pâte. Ce qui est bien marré, c'est que les cocatrices sont des poules avec des dents, donc ça implique qu'elles sont carnivores. Hein. Donc pourquoi elles en veulent après de simples tomates? Le dos que j'ai besoin vraiment, mais c'était juste pour l'utiliser. Allez, par rapport à l'épisode merdique de la dernière fois, une fois que mes unités seraient revenues de leur quête de merde, je vous fais de la quête scénar. Oh oui, j'ai oublié cette taille. Ouais, je vais vous faire de la quête scénar. Je vais tourner en rond pour faire revenir les unités en mission. Puis après, je fais direct une quête scénar. Comme ça, on avancera un peu dans le scénar. Hein. Elles au moins se cassent, elles sont intelligentes les deux tomates de la droite. Non mais niveau 6 les mobs quoi. Ouah j'ai peur. Mon dieu. Kawaii, Anthony Kawaii. Elle a quoi comme technique de spadassin? Du serve d'énergie, elle peut toucher personne. Bon, c'est quand que j'ai l'arc qui me permet d'apprendre signe de Winker. Même si elle s'appelle plus comme ça la technique dans le jeu, mais... qui me permet en gros de massacrer les mobs, quoi. Ah, tu re...
Jules? Cette tomate doit être pas de couille. J'ai rien pour la soigner, elle se jette sur l'ennemi comme une conne. Mais fuis, connasse! Va pas à l'attaque! Non, je sais pas, je suis face à mon prédateur naturel, je me casse, je vais pas l'attaquer, moi. Ok, one shot. Non, sérieux, t'as résisté? Ah, il doit nous rester 1 ou 5 points de vie. 4, ok. C'est bon, là, t'es morte? Oui, t'en faut encore. Pars-toi, la tomate, tu vas réussir à crever tellement t'es conne en te suicidant. Et comme j'ai pas pris de heal... Barre-toi. J'en ai marre de ces mobs cons, de cette IA conne qui vient de suicider quand tu dois les protéger. Ne dépasse pas le taux de dégâts, pitié. Oh non, j'ai pris mon archère, ça aide bien. Et aussi, il faut que je recrute une Zemvira. Si je me souviens bien, pour recruter une Zemvira, c'est pendant des mois qui commencent par la lettre C au mont. Je sais plus comment. Et à Kamoa, je crois. Ah, vivement que j'apprenne une nouvelle classe pour ma Grias. Les tomates ont l'air contentes et en sécurité maintenant. Mais que vont-elles devenir? Les cocatrices ne doivent pas être les seules à rêver d'une bonne purée de tomates. Personnellement, je préfère la salade de tomates qu'à la purée. Hein. LOL! Avec 7 points d'XP. Bon, ok, il y en a une qui en a gagné 17. Il y a quand même des level up. Je m'attendais pas à avoir de level up là-dessus. Alors là, pas du tout. Je m'attendais au 1 point d'XP, ouais. Oh, apprentissage fini. Bon, lui, il a appris Dracocyte, c'est cool. Bon, on va faire revenir Bon, ça c'est réussi. Cool, apprentissage fini. Oui, il était un noble mog. Je suis en train de chercher dans quelle classe c'était. Ah oui, bah non, je t'apprends quoi maintenant que t'as tout fini d'apprendre, hein? T'as une classe intéressante à l'heure actuelle. Gladiateur Joseph. Initié Joseph. Ice Tireur. Oui. Ah oui, j'ai pas d'arme pour sa classe.
Alors, protectrice, ouais, je regarde si t'es pas en train d'apprendre un truc. Non, je lui ces objets, ça peut toujours être utile. Bon, on va faire un peu de synthèse. Acheter des armes. Ah, un casque diamant. Une épée diamant. Diamantite, tourbillon. Aura défensive, furie. Voilà. Déjà, la technique furie, déjà, c'est déjà que ça peut être utile. Solide marteau, bon, ça sert à rien, mais... Ah, une terre froide. Éruption, lenteur, succion. Ouh. Bon. Acheter. Direct, ça sert à rien. La grondelle, truc que je n'ai pas. Le dernier piège qui manque. La dernière compétence de voleur qui manque. Je regarde ce que j'ai d'intéressant à acheter. Attends, j'ai peut-être les griffes empoisonnées. Berserk, cri de rage, ça peut être intéressant, non? Ah oui, cri de rage, c'est très intéressant. Donc là, tu refais un tour, ça peut être utile. Canon court. Obus potion. Ça peut toujours être utile. Augmentation, ça fait quoi? Permet d'élargir la zone d'effet de la prochaine commande d'attaque. Et... viser. Ouais, on s'en fout. Bazooka, trépied. Fixe une arme au trépied. Et tire, inflige des dégâts doublés avec l'inconvénient d'attribuer jusqu'à la tour du fin suivant. Ok. Armure de platine. L'armure là est beaucoup mieux. Brigadine, faudrait peut-être que j'en achète pour tout le monde. Ouais, j'ai un peu de fric, je peux me permettre de dépenser. Hein. Donc, pour mon Lannister. Ah, il a déjà pris R, merde. Faut que j'aille refaire un tour dans les bâtons. Merde, j'avais pas vu qu'il avait fini d'apprendre ce con. L'obus potion d'abord. Brigadine. 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 Non, je suis gros de zone. Ouais, faut que je commence à améliorer mon équipe quand même là. Un magasin. Et... au passage, je suis devenu pauvre. Cross de druide sage. Ah ouais, ça m'a processité. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Bon,
Bon, je peux le foutre en quelle classe, vu qu'il a plus rien à apprendre dans la classe là. Ah oui, illusionniste, faut que je lui apprenne deux compétences d'illusionniste. Oh merde. Voilà. Ça résout le problème. On va attendre que ma Viera revienne. Ouais, c'est bon, elle a réussi. Fallait juste mettre une fille. En même temps, c'était demandé, serveuse. Donc, voilà. Il demandait serveuse, donc j'ai n'importe qui, et c'est passé. Bon, on va faire la quête scénar, comme j'ai promis, pour réparer l'épisode de merde que j'ai fait la semaine dernière, car j'avais plus de batterie. Mine de Nazan. Ok. Mais on vient là, pourquoi, à ton avis, on est là pour regarder le décor. Je sais, je vais le faire à chaque fois, mais ça veut dire cette question con. Nous venons à la regard, le seul truc possible en venant à la regard, c'est prendre un avion. Donc, voulez-vous prendre un avion? Non, non, tu vois, je suis là juste pour le décor. Ça a toujours énervé, genre de trucs dans les RPG. Tu as besoin d'un lieu qui sert qu'à un seul truc, à prendre un véhicule. Le jeu te demande, vous voulez prendre un véhicule. Mine de Nazan. Voilà, elle est là-bas. Ah bah cool. Oh, un ruban. Oh putain. Oh. Ok. Alors là, ah oui, oui, oh oui, merci. Alors là, franchement, merci. Ils ont juste de me donner l'item le plus cheat pour les filles de mon groupe. Le jeu, il me donne comme ça, gratos. Tiens, ruban, ça nous fait plaisir. Ah, oh, ok, ok, je prends, hein, moi, prendre. Sérieux jeu, un ruban. Ah, y'a ma pie, putain. Ah, ça, c'est un bon épisode, ça. Ah, ça, ça motive, ça, à faire d'autres épisodes à la suite, ça. Ah, là, t'obtiens, ruban, comme ça, on récompense. Ah, vous avez gagné les enchères, tenez, pour avoir gagné les enchères, on vous offre ça, un ruban, l'item le plus cheat du jeu, qui protège de toute altération d'état. Ne remerciez pas, c'est de la pure sympathie. Putain. Oh. Ça fait plaisir, quant à ça. La vache. Ça ne va pas, Boléro. Non, si, c'est juste que j'ai cette horrible mal de tête. C'est bon, j'ai l'impression que c'est lui qui provoque mes cauchemars. Ah, j'ai le crâne comme dans un étau. Oh, bien sûr, alors je prends toutes mes unités qui peuvent envoyer au paradis les mobs. Débarrassons-nous d'eux. Or cette musique me rappelle tellement les musiques de FF12. Je sais pas si FF12 est sorti avant ou après ce jeu. Faudrait que j'aille regarder les dates. Pour savoir lequel a pompé sur l'autre. Mais à mon avis, vu qu'on voit Van et Penelo, ce jeu est sorti après FF12. Donc c'est plutôt le jeu là qui a repris la musique de FF12. Mais bon, comme c'est Square Enix qui a fait le jeu, au pire... il a quelle technique sur lui? Je vois du lotus, ouais, il a conjuration. Est-ce que conjuration, on pourra pouvoir l'utiliser à distance ou pas? La question que je suis en train de me poser. Bah, j'ai pas le droit de cibler mon chasseur. Allez, mon invocatrice.
Ouais, mon avocatrice. Allez, en plus, il file pas de drop. Il file pas de drop, donc je vais prendre de la hausse de vigueur. Vu que les mobs filent pas de drop, ça fait rien de prendre de la chance. Vu que c'est des zombies. J'aime cette musique, putain. Ah ouais, direct, tu me piques 37 points de vie. 39. Ah bah t'en as perdu 43, c'est dommage, t'aurais dû faire ça quand t'avais perdu des points de vie. Ah oui, direct, comme ça, direct, là, tu me fous ça. Heureusement que j'ai ma Viera, elle va pouvoir heal. Ouais, si j'ai le temps. Si j'ai le temps. Le but du jeu, c'est de vaincre le grand faucheur, mais bon. Quoi, je les ai ratés? Mais nique ta mère, le jeu! Comment j'ai pu les rater, les deux? J'ai attaqué sur le côté! J'avais pas une précision de merde non plus! Arrêtez de se foutre la gueule du monde, à moi! En fait, je vais me pousser. J'aurais été de me prendre un double ténèbre dans la tronche. J'espère que le remake de FF12 sortira sur Steam. Du moins, le remake, du moins. Voilà. Obus potion. Voilà, régène de 60 et c'est gratos. Voilà pourquoi tireur ça va être la classe la plus cheat du jeu. Parce que en plus, obus potion, une potion ça régène 30 points de vie. Ça, ça régène 60 et de super loin. Ils auront une autre technique du même pareil mais obus éther. Ça régénera 60 MP. Vous voyez où je veux en venir? Vous voyez? On vous laisse deviner où je veux en venir comme ça. Faut que je teste un truc avec les invocations, si je peux, là. Non, j'ai pas assez. Bon, faut que je teste si une magie sur leur fait des dégâts ou pas. Vu que c'est des zombies, ça devrait fonctionner, mais... Ah, j'ai mis un ruban. Tu l'as dans le cul, mec. Le ruban qu'on vient juste de me donner, juste avant que je fasse ta mission de merde. Ah, niqué. Ah. Rien de tel qu'un bon petit ruban pour te sauver une situation de merde. Bien sûr, elle régène son pack. Pourquoi je voulais tuer eux? Parce que sinon, on va faire que remplir le boss. Voilà pourquoi il faut absolument que je les tue avant de tuer le boss. T'as plusieurs cibles à viser, laquelle tu vas régénérer, connard, hein? Ah vas-y, mets-toi là, ça me fera deux cibles à attaquer. Ah, elle veut me foutre sous ses cités. Eh merde, il a réussi. Déjà que voilà. Ah, mes priorités, c'est les deux connards là-bas, hein. Non, c'est honte de jeu que je veux faire.
Quoi, j'avais 90% de chance tout à l'heure, je me suis loupé. Putain. Et vous imaginez que dans Fire Emblem, les probabilités me trollent plus que ça. Ça va être beau quand je vais faire un Fire Emblem sur ma chaîne Let's Play. En tuer un, ça serait pas la meilleure solution déjà. Ouais. Il faudrait dire que j'arrive à en tuer un. Avec 66 de précision, je m'attends à rien. Ça fait moins 60, mais 60 de dégâts ou 60 de régène? J'en ai pas la moindre idée. Faut que je teste. Bon, ça fait bien des dégâts. J'avais un doute parce que quand ils font leur technique, ça fait moins machin. Ah oui, alors moi, ça m'a fait auto-régène et eux, ça leur fait des dégâts. Ok, bon. Bon, non, dans ce film Infantil, oui, le soin fait bien des dégâts sur les zombies. J'étais pas sûr, j'avais des doutes parce que l'affichage est bizarre en fait dans le jeu, donc... c'est facile d'avoir un putain de doute. Ah non, mais toi, de toute manière, tu disparais, mec. Tu vois, eux, quand ils font moins 100, ça les régène, tu vois. C'est pour ça que j'avais un doute. C'est pour ça que j'ai un doute depuis le début. Oh, tu t'es régène de 100 dégâts, mais... J'ai tué le boss, hein. Ça sert à rien que je me fasse chier à tuer tout le monde, autant tuer le boss rapidement. Ah et merde! Ah ouais, 81, ouais, ça fait mal. Wow, le critique! Bâtard! T'as riposte? Je m'en fous. Comme ça, tu tourneras le dos à un autre ennemi. Technique du point ardent! Non. 55% de chance de toucher, je m'en fous, je l'étends. Depuis Fire Emblem Icos, je me fous du pourcentage. Quand je me vois louper aussi souvent au-dessus de 80%, mais tu sais, j'ai envie de te dire, les pourcentages, c'est de la merde, hein. Oh, il lui restait un point de vie. Oh, le pauvre gamin. Allez, au revoir, connard. Ah, je vais pas me faire chier à tuer tout le monde alors qu'il me fallait juste tuer le boss. Ça a marché, surtout qu'il n'y a pas de drop. On y speedit ça en 2 secondes, voilà. Cool, il y a eu 4 level up. Ça, c'est cool. Voilà, regarde, cette lumière est sortie de toi. Tu possèdes un pouvoir unique, mon enfant. Tu dois vivre l'existence dont tes parents ont été privés. Cela ne te demandera pas d'effort particulier. On se
contente-toi d'être toi-même, tu comprends, Waddell? Alors, il était dans mon corps, mais on voit les souvenirs de quelqu'un d'autre. Tu crois vraiment qu'une vie t'attend hors de cette cité? Je sais surtout que je n'aurai aucune vie si je reste. Ah là, on voit le passé de tout le monde, là, en fait. Prends des armures et cette épée afin de protéger notre pacte! On est arrivé. C'est le moment, flashback! Ah! On est où? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déjà vu cet endroit dans mes cauchemars. Cette espèce de ruine, vous l'avez vu vous aussi, non? Vous étiez là avec moi. Sid, c'est quoi ce lieu? Tu le connais? Je ne sais pas. On a peut-être une sorte d'hallucination collective. C'est énervant. Je sais que ce paysage est bien réel. Mais je ne sais pas où il se trouve. Vous allez me prendre pour un fou, mais je sens que je dois me rendre là-bas. Je dois retrouver cet endroit. L'important maintenant, c'est de retourner en ville et de se reposer. Ok. Adèle, tu as entendu? Hein, quoi? Oui, bien sûr. On rentre se reposer. Allez, restez pas planté là, on accélère. Il dit qu'il y a deux secondes, la meuf était perdue dans ses pensées. Mais bon. La base virale VPS a été mise à jour. Breuvage des preux. Creux chevalier, bien sûr. Bon, qui a pris quoi et a pris quoi? Que font tous ces gens? Oh mon magicien! Je vais enfin pouvoir le recruter! C'est sans doute un ménestrel voyageur! Ce magicien est plutôt doué. Cette mélodie calme mes nerfs. Ça fait du bien après le choc du rêve. Merci Cupo, merci à tous. Niwa, tu es toujours aussi doué, la clientèle a apprécié ta petite performance. Oh Cupo, merci, content que ça vous ait plu. Cupo, je dois vous quitter. Ah Aubergiste, tu pourrais afficher cette annonce pour moi? Je m'en occupe, je vais te faire savoir si un clan est intéressé. Merci bien, Cupo. Bonne journée. Reviens quand tu veux, l'ami. Dites aubergiste, j'ai rêvé ou quelqu'un a parlé d'une mission. Laquelle? Celle du Mox. C'est un musicien itinérant. Sa passion, c'est de créer des instruments farfelus. Il collectionne des matériaux rares pour fabriquer lui-même ses instruments de musique. Et je viens d'afficher son annonce. Consulte-la si tu veux. Un musicien itinérant? Peut-être qu'il sait où se trouve l'endroit que je cherche. Les ménestrels connaissent bien le pays et ses légendes. Tu peux toujours lui demander.
Bonne idée, je vais lui ramener ce qu'il veut et je discuterai avec lui. Bon bah l'épisode va faire 40 minutes, je vais aller voir si je peux rien synthétiser de bien fabuleux. Ouais mais non en fait je voulais pas les enchères, je suis gouré. Je voulais le magasin. Les enchères c'est dans 109 jours que je les recommencerai. Pour avoir du drop rare. Synthèse... Ah. Oh. Licorne, cool. Une invocation. Ça m'arrange bien. Est-ce que les instruments sont... Dresseur, ouais, non. Ah bah oui, une nouvelle invocation, bien sûr que je prends. Bon bah la prochaine fois on fait encore du scénar pour recruter Lutte. Étant donné que c'est le dernier personnage de l'histoire que je peux recruter en dehors des personnages bonus. Je vous dirai pas c'est qui personnage bonus, mais vous en doutez sûrement de certains. Donc sur ce, mes petits PS Mojo, je vous remercie de regarder. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois, pour la suite de Final Fantasy Tactics Advance. Sur ce, salut.